Nous nous trouvons sur la commune de Courchamps, qui est située dans le sud du Maine-et-Loire, à côté de mon exploitation agricole qui est elle-même située à Cizay-la-Madeleine. C'est une exploitation agricole spécialisée dans la production de melon et depuis peu de pastèques et de légumes. Alors aujourd'hui, le prieuré de la Dive, ce sont environ 150 hectares de culture que nous implantons chaque année et nous commercialisons l'équivalent de 500 hectares de culture avec des producteurs partenaires sur différents bassins de production. Nous produisons selon deux types de cultures. Nous produisons d'une part du melon conventionnel, conduit en agriculture raisonnée, exploitation et HVE, mais nous cultivons également une partie en agriculture biologique. Nous avons choisi de lancer une partie de nos productions en agriculture biologique il y a une dizaine d'années pour répondre à la demande des clients. Ce qu'on s'aperçoit avec le temps, c'est que beaucoup de produits qu'on utilise en bio, des produits naturels, fonctionnent très bien. Et depuis plusieurs années, les choses qui fonctionnent bien en bio, on les reproduit en agriculture conventionnelle. Par exemple, la fertilisation, tout est sur une base de fertilisation. Ce qui fait que notre melon est reconnu et apprécié des consommateurs et des professionnels de la grande distribution tient à la qualité de nos sols. L'argile se gorge d'eau durant l'hiver et la craie qui est sous la terre également. Et toute cette eau accumulée durant l'hiver nourrit la plante durant l'été et fait que la plante absorbe beaucoup mieux les pics de température pour produire des melons de qualité tout au long de l'été. Pour Cherbourg. Alors aujourd'hui, le prieuré de la Dive, ce sont 8 salariés permanents et on a un peu plus de 100 saisonniers qui nous rejoignent durant les mois de juin, juillet, août. Mais le melon, ça ne se résume pas qu'à la récolte et au conditionnement. On est une trentaine depuis le mois d'avril et ça jusqu'au début du mois d'octobre. Nos melons sont commercialisés à 70% vers les circuits de grande distribution et également vers des grossistes à des fins de fournir des détaillants et de la restauration et puis également une partie en vente directe sur notre exploitation. Nos produits sont expédiés dans toute la France mais essentiellement sur la région ouest et la région parisienne. Toute cette réussite et tous ces beaux melons produits, ça ne serait pas possible sans une équipe de fidèles permanents qui sont autour de moi tout au long de l'année, dans les bons et dans les mauvais moments. Je tiens aussi à remercier tous les saisonniers qui œuvrent chaque jour pour récolter les melons. Ce n'est pas toujours facile quand il fait très chaud de travailler dans les champs. Ce qui me donne l'envie de me lever et ce qui me rend fier, chaque jour, c'est de pouvoir procurer du plaisir lorsque les consommateurs dégustent nos melons.